Ce soir, this evening, nous allons poursuivre le combat d'hier. We'll continue yesterday's battle. Tout doit être récupéré. Everything, all must be retrieved. Mais je vais partager avec vous un témoignage. Voilà. Je vais vous faire écouter un témoignage qui nous a toujours bénis. But I'm going to make you listen to a testimony that has already always blessed us. Quelqu'un peut se poser la question suivante. Somebody can ask the following question to himself. Il y a beaucoup de visions. There are many visions. Et qu'est-ce que ça produit après? And after, what does it produce? Est-ce qu'on a déjà vu quelqu'un qui a eu ces visions et qui a vu les visions venir à l'existence? Have we already seen somebody who had visions and later on had the vision come true? Est-ce qu'il y a même quelqu'un qui était pauvre? Is there even somebody who was poor? Qui a mis ces choses en pratique et qui est devenu béni? And who put those things into practice and finally got blessed? Et après ce témoignage, and after that testimony, je vais exhorter les nouvelles âmes à donner leur vie à Jésus. I will encourage the new souls to give their life to Jesus. Même si tu es seul, even though you are alone, que les autres invités ne sont pas venus, toi seul tu es arrivé ici. And the other invitees didn't come and you alone came here. Tu dois donner ta vie à Jésus ce soir. You must give your life to Jesus this evening. Et avec toi, and with you, lavé, purifié, washed and cleansed, nous allons combattre le diable. We will fight the devil. Nous serons bénis, toi aussi tu seras béni. We'll be blessed and you also will be blessed. Nous ne pouvons pas te laisser dans le monde. Et nous on combat, on prend les bénédictions. Toi tu es dans le monde avec la malédiction sur toi. We cannot leave you in the world and we fight here and leave you in the world with curse on you. Tu dois abandonner le monde. You must abandon the world. Entrer dans la bénédiction. And enter blessing. Avec les enfants de Dieu. With the children of God. Ça va t'arriver aussi. This will happen. This will befall you. Donc, la sœur Annie. Sister Annie. Va venir ici. On lui donne un micro qui fonctionne bien. We'll come here. We are going to give her a microphone that works well. Écoutez ce qu'elle dit. Listen to that which she says. Et si c'est nécessaire, je pourrais apporter des petits commentaires. If it is necessary, I will bring some little commentary. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Annie Joséphine Payé. Et mon faiseur de disciples, c'est le pasteur Meunier. Je loue Dieu et je lui rends grâce pour tout ce qu'il a fait pour moi. Le Seigneur m'a délivré de la pauvreté, de l'envoûtement, du célibat, de la stérilité. Et il m'a béni. Donc je lui dis infiniment merci pour tout ce qu'il a fait. Et je suis née d'une famille de 11 enfants, côté maman, et je suis la dernière de ma mère. Elle qui a eu 7 femmes et 4 hommes. Mais parmi les femmes, aucune n'a pu travailler. C'est seulement deux hommes, il y a un qui est à la retraite et l'autre en fonction actuellement. Et frère, j'étais chrétienne, j'ai parti à l'église. Tout était difficile pour moi. Et du CP1 jusqu'en terminale, par la grâce de Dieu, je n'ai repris aucune classe. Mais lorsque je suis arrivée à l'université, tout s'est compliqué. Tout d'abord, après le bac, il y a un squelette qui est venu me saluer. Et dans son intention, c'était de paralyser ma main droite. Mais comme j'avais Jésus, j'ai dit au nom de Jésus. Et par la grâce de Dieu, le plan a été déjoué. Et j'étais très engagée dans l'église. Rien n'allait. J'étais très pauvre. J'étais étudiante, sans moyens, grands moyens. Je me promenais pour vendre, pour pouvoir aller à l'école. Et j'étais chrétienne, donc je ne pouvais pas vivre la vie
de débauche ou bien voir un copain pour m'aider financièrement. Et au niveau de mes parents, il n'y avait personne. Mes grands frères, mon grand frère dont j'ai parlé, qui est à la retraite, travaillait. Et malheureusement, la Citram a été dissoute et il ne travaillait plus. Donc, au niveau financier, c'était difficile. Et la pauvreté faisait que je gérais 1000 francs par semaine. J'achetais un poisson pour faire une sauce d'une semaine. Et au niveau des vêtements, mes sous-vêtements, tout était devenu flasque. Et même le soutien que j'avais, un jour, quand j'ai essayé de porter le soutien, la boucle là s'est cassée. J'ai dit à Dieu, Seigneur Jésus, je fais comment? Et le Saint-Esprit me dit, il y avait une épingle, c'est qu'on prend pour attraper l'habit des enfants qui était sur la table, prends l'épingle. Et frère, c'est avec l'épingle que je fermais mon soutien. Mon jupon aussi, pareil. Et dans cette souffrance-là, je sentais le ciel fermé au-dessus de moi et je cherchais la délivrance. Et par la grâce de Dieu, un jour, une sœur qui était dans la communauté où j'étais a quitté cette communauté-là pour rejoindre, pour intégrer la CMCI. Et elle est venue me dire que dans la communauté, les gens font les délivrances. J'ai dit, je vais y aller. Et elle ajoute encore que ceux qui vont dans cette communauté, leur vie change. Bien-aimé, je suis venue, ma vie a changé. Quand je suis arrivée, je suis allée voir le pasteur Meunier qui a demandé que je fasse ma repentance. Je l'ai faite. Après la repentance, on a demandé que je refasse mon baptême. Frère, je n'étais pas d'accord pour le baptême parce qu'on m'avait déjà baptisé par immersion. Donc, pourquoi reprendre mon baptême? Mais comme je voulais la délivrance, j'ai accepté le baptême malgré moi. De sorte que je ne sais même pas quand est-ce qu'on m'a baptisé. Qui sont ceux qui m'ont baptisé? Je reconnais une seule sœur. En dehors d'elle, ben, je n'étais pas d'accord. Mais après ce baptême, j'ai parté à l'église pendant des années. Je n'avais pas de paix. Mais c'est après ce baptême que j'ai eu la paix dans mon cœur. Après le baptême, on a fait le brisement des liens. Et après le brisement des liens, j'ai eu un songe. Dans le songe, il y a un gros serpent qui a été tué, que j'ai tué en songe. Et je signale que quand je me suis donnée à Jésus, quand je suis allée à l'église, dans un rêve, j'ai vu les serpents, comme les spaghettis qui s'imbriquaient les uns dans les autres. Et j'ai crié « Jésus, Jésus ». Mais c'est après le brisement des liens que le gros serpent même a été tué. Et quelques temps après, j'ai fait un autre songe. Je vois ma grande sœur de même père et de la même mère qui est décédée. Elle vient, elle me dit, je tiens tes bénédictions avec moi dans le tombeau. J'ai dit, au nom de Jésus, j'arrache. Je tiens ton mariage, au nom de Jésus, j'arrache. Et Dieu merci, en 2007, je me suis mariée. Mais quand j'arrivais, j'étais en train de faire le 2EA. Le 2EA, c'est le diplôme d'études appliquées. D'études approfondies, plutôt. Et ce diplôme-là, on le fait à 6 mois. Mais j'ai fait le mien en 3 ans. On me donne un thème. J'ai fait, on dit, c'est pas bon. J'ai eu jusqu'à 5 thèmes. J'ai tout traité. J'ai traité de l'introduction jusqu'à la conclusion. Et un jour, et par la grâce de Dieu, c'était en 2005, où l'enseignement sur l'importunité a été enseigné. Et j'ai commencé à importuner Dieu. Et Dieu merci, l'enseignant même qui bloquait, dit, tiens, va te trouver ton encadreur pour t'encadrer. J'ai rendu grâce à Dieu dans mon cœur. Et comme j'étais un peu déboussolée, j'ai essayé de joindre le pasteur Meunier qui était en voyage en ce temps-là. Et j'ai appelé maman Colette, sa femme. Et elle m'a demandé qu'on refasse. Elle a demandé qu'on refasse mon brisement des liens. C'est ce qui a été fait. Et bien aimé, le travail qui n'était pas bien et qui traînait avec les encadreurs,
Deux semaines après, on m'appelle, on me contacte pour faire la soutenance. Et je suis allée faire la soutenance. Et quand j'ai fini, bien aimé, on était en train de faire... Avant, ce n'était pas le renversement des principautés, mais c'était un moment de jeûne de 30 jours pour le renversement des idoles. Et pendant cette période, j'ai fait un rêve. Je me suis retrouvée dans une maison, dans un magasin, un supermarché. Et je constate que dans ce supermarché, il n'y avait que les cubes magie blancs, les cubes magie jaunes. Je dis, mais pourquoi dans ce magasin, il n'y a qu'un seul article? Donc, si tel est le cas, je vais retourner. Et pendant que je voulais sortir, j'ai vu que la porte était hermétiquement fermée. Il n'y avait même pas de porte. Je voyais juste une porte qui a été remblayée par les briques. Donc, c'est-à-dire, j'étais emprisonnée. Et je me suis mise à prier. Il y a une ouverture, il y a une porte qui s'est ouverte. Et ensuite, j'ai dit non, pour ce genre d'édifice, la loi de l'architecture voudrait qu'il y ait deux sorties. Et je me suis mise encore dans l'autre côté et j'ai prié. Quand j'ai fini de prier, la deuxième porte aussi s'est ouverte. Et je suis sortie sur une voie bitumée. Et après le 2A, c'est le doctorat. Je me suis inscrite. Mais après l'inscription, je suis tombée malade. Et dans un songe, j'avais vu un serpent. J'ai peut-être tué le serpent, mon talon a touché, mon pied a touché, la plante des pieds a touché le serpent. Et quand je me suis réveillée, je sentais la partie me démangeait. Et j'ai fait 7 mois de maladie. Pendant cette période, je ne pouvais ni lire ni écrire. Donc c'est comme si toutes les années d'études étaient vaines, parce que je ne pouvais pas lire. Et par la grâce de Dieu, les frères ont prié. Les anciens m'ont rendu ministère. Un jour, je dors, on fait sortir un objet de mon pied. Et cet objet, ça ressemble un peu au signe de Maïkari. Et quand l'objet a été extrait de mon pied, j'ai recouvré la guérison. Et j'ai fait ma thèse. Mais lorsque j'ai fini la rédaction de la thèse que j'ai déposée, j'ai eu un accident de circulation qui a failli m'ôter la vie. Mais par la grâce de Dieu, je ne suis pas morte. Et c'était pendant la période de la poste, la période après la crise électorale de 2010. Et pendant cette période, j'ai crié à Dieu pour le travail. Tu m'as béni. Je n'ai pas le travail. Seigneur. Et c'est pendant cette période-là, Dieu nous a bénis avec l'enseignement, avec sa parole. Et je disais tout à l'heure que j'avais eu un accident de circulation. Et pendant cette période, j'étais malade. Je prenais les médicaments. Mais j'avais commencé un jeûne pour prier que le Seigneur me donne le travail. Et je m'arrêtais à midi. Et pendant la période, Dieu a permis qu'on ait l'enseignement sur le renversement des principautés. Et là, le pasteur avait enseigné ce jour qu'à cause de la malédiction familiale, une personne peut être bloquée. Dieu peut te bénir, mais si la famille est maudite, tu ne peux pas avancer. Et il a pris l'exemple de Daniel, Daniel chapitre 9. Et Daniel a pris 21 jours de jeûne. Et il nous commandait de faire les jeûnes de 21 jours. Ce n'était pas 40 jours comme nous avons aujourd'hui, mais c'était 21 jours. Donc, dès que j'ai entendu l'enseignement, j'ai dit, donc je vais prolonger mon jeûne. Au lieu d'arrêter à midi, je vais aller jusqu'à 18h, faire mes 21 jours. Frère, quand j'ai résolu dans mon cœur de jeûner, le ciel m'avait déjà exaucé. Le lendemain, mercredi, je suis rentrée dans un jeûne. Et jusqu'au soir, j'ai jeûné jusqu'au soir, malgré les médicaments. Et la nuit, je dors, je me retrouve au village, dans la cour familiale. Et dans cette cour, c'était la pauvreté, le sol était noir. Et au fond de la maison, je vois mon tombeau. Ce n'était pas les tombeaux carrelés que nous avons,
mais c'est les anciens tombeaux. Et les anciens tombeaux, la particularité, c'est qu'il y avait des fissures. Et tu vois, lorsqu'on va au cimetière, pour reconnaître un ancien tombeau, on voit les trous. Et le mien était comme ça. Et j'ai dit, vous m'avez enterré ici. Mais le jour où je vais mourir, où est-ce que vous allez m'enterrer? Et je suis sortie de cette maison de pauvreté en crachant. Et ma salive était telle que, était comme une vomissure. Et après ma sortie, je me suis assise. Et je regardais dans le ciel une petite lumière. J'entendis une voix qui disait, la puissance de la résurrection qui a ressuscité Jésus d'entre les morts va ressusciter le corps. Frère, Dieu m'a ressuscité. Jesus. Et l'année là, je signale que j'ai eu le bac en 93. Et lorsque j'ai eu le bac, j'ai présenté plusieurs concours, à commencer par le CAFOP. L'ENA, j'ai fait 4 fois l'ENA. J'ai fait l'ENES, IPNET, éducateur spécialisé, éducateur permanent, INFAS. Rien n'avait marché. Mais l'année où je suis sortie de ce tombeau-là, le ministère de l'Éducation nationale a demandé qu'il y ait un recrutement exceptionnel d'enseignants contractuels. Et par la grâce de Dieu, j'ai déposé mon dossier, j'ai été retenue pour une première fois. Jésus-Christ. Et je suis allée enseigner au collège moderne d'Abengourou. Et pendant que j'y étais, je disais à Dieu, Seigneur, tu m'as appelé à enseigner, mais ce n'est pas ici que je dois. En tout cas, je sentais dans mon âme que ce n'était pas ma place. Et j'ai supplié Dieu. Pendant que j'y étais, j'ai supplié Dieu. En tout cas, j'ai continué le travail pour que Dieu m'aide à soutenir mon doctorat. Et Dieu merci, Dieu m'a exaucé. Pendant que j'ai prié, je disais à Dieu, force la main du Pharaon. C'était le Saint-Esprit qui me conduisait. Parce que Dieu a forcé la main du Pharaon. Et Dieu m'a accordé le doctorat. Acclamons Jésus-Christ. Let's clap for Jesus. Et quand j'ai eu le doctorat, il faut aller encore supplier Dieu pour le travail. J'ai encore continué avec le renversement des principautés. Et Dieu m'a béni. Il a permis que je sois recrutée comme une enseignante-chercheur à l'université Pelofrogon-Koulibaly à Korogo. Jésus-Christ. Jesus. Où j'exerce depuis 2013. Et frère, je signale que j'ai eu le bac. Après le bac, j'ai fait 20 ans avant d'avoir le travail. J'ai eu le bac en 93 et j'ai été dans la fonction publique, c'est le 12 novembre 2013 que j'ai eu le travail. 20 ans. C'est-à-dire j'étais même au soir même de 2013. Et Dieu m'a béni avec le travail. Donc ça me fait 11 ans d'exercice. Et je loue Dieu. Après cela, je vois que j'étais mariée, comme je l'ai mentionné, en 2007, mais je n'avais pas d'enfant. Et il fallait faire encore le renversement des principautés pour avoir les enfants. Après le mariage, j'ai eu 2 fausses couches. Et pendant que je me larmentais, le Seigneur me disait que mon problème était spirituel. Et par la grâce de Dieu, un jour, mon grand frère m'a révélé que notre père avait adoré le palmier. Et dès que j'ai entendu, j'ai commencé à supplier Dieu. J'étais dans le baka. J'ai commencé à supplier. Et un jour, j'ai fait un songe. Nous étions quelque part sur l'eau. Il y a un monsieur qui avait eu beaucoup d'argent. Mais un autre monsieur, Mess, qui allait le rattraper, il l'a ramené dans le groupe. Mais moi, j'y étais. Je suis sortie, il m'a vu et il m'a laissé partir. C'était le début d'une délivrance. Ensuite, j'ai fait un songe dans lequel on donnait des enfants aux femmes. Et les femmes l'ont dit, non, 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 moi je ne le veux pas. Non, 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 non. Elle dit, d'accord, si elle ne veut pas, donnez-les-moi. Pendant que j'y allais prendre, il y a un animal qui a bondi sur moi. Et je me suis retrouvée
par terre, sous l'animal. Je ne peux pas déterminer sa face. Il s'apparente à un ours, à un lion, mais moi, j'étais en dessous. J'étais sous l'animal et je me suis réveillée. Et dès que je me suis réveillée, j'ai commencé à prononcer, à réciter Zacharie 4, verset 7, qui dit, « Qui es-tu, grande montagne ? Ainsi te parle l'Éternel, Dieu des armées, tu seras aplani. » Et j'ai commencé à proclamer, « Qui es-tu, grande montagne, devant Joséphine ? Ainsi te parle l'Éternel, Dieu des armées, tu seras aplani. » Proclamer la parole, proclamer la parole. Frère, je n'ai même pas dit à mon faiseur de disciples pour qu'on fasse même des délivrances et tout. Et quelques temps après, frère, on était en train de faire le renversement des principautés. J'attendais mes menstrues qui ne sont pas venues. J'ai attendu quelques jours encore. Je vais faire le test et il était positif. 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 Le test de grossesse était positif. Et Dieu m'a béni le 17, le 25 mars 2017. Dieu a permis que je sois mère d'un garçon après 10 ans de mariage. Frère, Dieu m'a délivrée. Il m'a bénie. Et comme je l'avais dit, mes richesses qui avaient été prises, aujourd'hui, Dieu m'a bénie avec la richesse. Parce que la richesse, ce n'est pas seulement les finances et autres, mais Dieu m'a bénie avec des terrains. J'ai terrain à Korogo, j'ai terrain à Yamoussoukro, j'ai terrain à Abidjan, j'ai terrain à Dabou, j'ai terrain à Daloa. Alléluia. Donc, les richesses qui avaient été volées, Dieu a permis. Ce matin, je suis partie voir un terrain que j'ai acquis à côté, quoi, ici. Donc, je suis infiniment reconnaissante à ce Dieu qui m'a délivrée. Il m'a délivrée de la pauvreté. Moi qui n'avais rien, qui pleurais, Dieu a essuyé mes larmes. Il m'a donné le travail, il m'a donné le mariage, il m'a donné les enfants. Le diable avait tout volé. Comme je l'ai mentionné depuis le début, que mes sœurs, 7 femmes, aucune n'a pu travailler. Et aujourd'hui, Dieu m'a permis aussi de bâtir des studios même au village. Alléluia. Donc je suis infiniment reconnaissante. Et ce qu'il a fait pour moi, Dieu peut le faire aussi pour toi. Il peut le faire. Donc, il faut donner ta vie à Jésus. Et Dieu va te bénir. Répands-toi de tes péchés. Accepte le brisement des liens. Accepte la formation des disciples. Et tu seras béni. Amen. Lis pour nous Matthieu 13, versets 47 à 50. Read for us Matthew 13. From verse 47 to 50. Matthieu chapitre 13, du verset 47 au verset 50. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent. Et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Amen. Matthew chapter 13, reading from verse 47 to verse 40. Once again, the kingdom of heaven is like a net that was let down into the lake and caught all kinds of fish. When it was full, the fishermen pulled it up on the shore. Then they sat down and collected the good fish in baskets. But threw the bat away. This is how it will be at the end of the age. The angels will come and separate the wicked from the righteous and throw them into the blazing furnace
where there will be weeping and gnashing of teeth. Amen. Si tu es un invité, lève la main, s'il te plaît. If you have been invited, please raise your hand. Si tu es un invité, lève ta main que je vois, s'il te plaît. If you are an invitee, please raise your hand so that I can see you. Que Dieu te bénisse. May God bless you. Que Dieu te bénisse. May God bless you. La parole que nous venons de lire, the word we have just read, dit qu'à la fin du monde, il y aura un jugement. Reveals that at the end of the world, there will be a judgment. À la fin du monde, il y aura un jugement. At the end of the world, there will be a judgment. Jésus explique comment ce jugement va se faire. Jesus is explaining here how this judgment will be done. Il est bon de savoir qu'à la fin, il y aura un jugement. It is good to know that at the end there will be a judgment. Parce que dans notre monde aujourd'hui, because in our world today, chacun a sa religion. Each one has his religion. Chacun a son prophète. Each one has his prophet. Chacun a son pasteur. Each one has his pastor. Chacun a son Dieu ou ses dieux. Each one has his God or his gods. Chacun vit comme il pense, comme il veut. Each one lives as he thinks or as he wants. Mais Jésus dit, but Jesus says, le royaume des cieux est comme un filet qu'un homme jette dans la mer. The kingdom of God is like a net that a man casts into the sea. Et le filet ramasse toute espèce de poisson. And the net pick all kinds of fish. Et même des choses qui ne sont pas des poissons. And even things that are not fish. Mais quand le filet est tiré, when the net is drawn, le pêcheur s'assoit. The fisherman sits down. Juste au bord de la mer, à la rive. On the shore. Et il commence à trier, à trier. And starts selecting. Il regarde, est-ce que ça c'est un poisson? He looks, is this one a fish? Il jette. And he casts it away. Quand il voit le vrai poisson, il retient. When he sees the good fish, he keeps it. Les choses ne vont pas finir comme tu penses. Things will not finish as you think. Tu es ici, dans la foule, c'est bien, tu es dans le filet. You are here in the crowd, it's good, you are in the net. Tu es dans une église, c'est bien. Tu es dans le filet. You attend a church, it's good. You are in the net. Tu as créé une église toi-même, c'est bien. Tu es dans le filet. You created a church yourself, it's good. You are in the net. Tu es convaincu que tu es prophétesse, c'est vrai. Mais tu es dans le filet. You are convinced that you are a prophetess, it's good. You are in the net. Mais à la fin, but at the end, tout ce qui est dans le filet doit être examiné. All that which is in the net should be examined. Le Seigneur ne retiendra que ce qui est bon. The Lord will only keep that which is good. Relis cette parole-là. Read that word again. Le royaume des cieux. The kingdom of God. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent. Quand il est rempli, when it is filled, les pêcheurs le tirent. The fishermen draw it. Et après s'être assis sur le rivage, les pêcheurs prennent ce filet et ils s'asseyent. And the fishermen take that net and they sit down. Ils mettent dans des vases, ce qui est bon. Ils commencent à regarder ce qu'ils ont tiré et ce qui se trouve dans les filets. Est-ce que ça c'est le poisson? Est-ce que c'est mangeable? They start et, to ce qui n'est pas bon, ils jettent et ils gardent ce qui est bien. So they start selecting and checking, verifying. Is that a fish? And if it is a fish, they keep it. If it is not a fish, then they cast it away. Et ils jettent
ce qui est mauvais. Ce qui est mauvais est jeté. That which is not good is cast away. Ne te réjouis pas que tu es chrétien. Pose-toi la question, est-ce que je suis consommable? Est-ce que à la fin, quand on va trier, est-ce que je serai gardé ou je serai jeté? Do not just rejoice that you are a Christian, but what you have to consider is that am I edible? At the end, when they will select, am I going to be among the good fish? Selon ton propre jugement. According to your own judgment. Est-ce que tu penses? Do you think que Jésus va te garder? That Jesus will keep you. Tu es rempli de jalousie. Est-ce que tu penses que Jésus va te garder? You are filled with jealousy. Do you think that Jesus will keep you? Tu es rempli de querelles. Partout où tu passes, les querelles. Est-ce que Jésus va te conserver? You are filled with quarrel wherever you go. Quarrel. Is Jesus going to keep you? Tu pratiques la sorcellerie. Est-ce que Jésus va te garder? You practice witchcraft. Is Jesus going to keep you? Depuis ton jeune âge, tu te prostitues jusqu'à ce jour. Est-ce que Jésus va te garder? From your young age up to now, you prostitute yourself. Is Jesus going to keep you? Jésus enseigne. Jesus teaches que les hommes seront jugés. That men will be judged. Lis 2 Corinthiens, lis 2 Timothée, pardon, chapitre 4, Second Timothy chapter 4, à partir du verset 1. Je t'en conjure devant Dieu. Écoute. Et devant Jésus-Christ. Paul est en train d'écrire à son fils spirituel, c'est-à-dire deux hommes de Dieu. Paul is writing to his spiritual son, that is two men of God. Il dit à son fils comment il doit travailler. He tells his son how he should work. Pour que les gens qui sont en contact avec lui entrent au ciel. So that people who are in contact with him enter heaven. Qu'est-ce qu'il lui dit? Lis. What does he tell him? Read. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ. Qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprends. Écoute. Il dit à Timothée, mon fils, Timothy, my son, je te recommande vivement. I recommend you, I urge you. Que pendant que tu prêches, that while you are preaching, il faut penser au retour de Christ. You must think of the return of Christ. Pendant que tu prêches, while you are preaching, il faut penser au royaume de Dieu. You must think of the kingdom of God. Il faut pas prêcher comme si les choses finissent au quartier ici. Do not preach as if things are going to end here in the neighborhood. Ce que tu fais là, that which you are doing, sera éprouvé par le retour de Christ. Will be tested by the return of Christ. Les gens qui vont se convertir, the people who will be converted, on ne peut pas savoir s'ils mentent ou s'ils disent la vérité maintenant. We cannot know if they are lying or saying the truth now. Mais ils ne doivent pas oublier, but they must not forget, que ça finit devant un jugement, that everything will be devant ended, un tribunal. Will be ended before a tribunal. Lis, je t'en conjure. Read. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants. Jésus va juger les vivants et les morts. Jesus will judge the living and the dead. Jésus est le juge suprême. Jesus is the supreme judge. Tout ce que nous faisons, all that we are doing, les gens seront surpris. People will be surprised de se retrouver devant Jésus le juge. To find themselves before Jesus the judge. En train de leur dire, je ne vous ai jamais connu. Telling them, I've never known you. Il dit à Timothée. He tells Timothy. Avant de prêcher, before preaching, pense à ce jour-là. Think about that day. Lis la suite. Et au nom de son apparition, au nom de son apparition, and on the behalf of his appearance, pense au jour où il va revenir. Think of that day when he comes back. Pense à son royaume. Think of his kingdom. Pense aux conditions pour entrer dans son royaume. Think of the condition to enter his kingdom. Continue.
et de son royaume. Prêche la parole. Prêche la parole. Preach the word. Insiste en toute occasion. Il dit à Timothée, prêche la parole, prêche la parole. He tells Timothy, preach the word, preach the word. Ne raconte pas l'histoire. Do not just tell the stories. Ne raconte pas les anecdotes. Do not tell stories. Ou des fables. Or fables. Prêche la parole. Preach the word. Que cette génération. That this generation a besoin de la vraie parole de Dieu. Need the genuine word of God. Il y a beaucoup de faux. There are many prêche false. La parole. Preach the word. Si quelqu'un te dit je suis chrétien, n'écoute pas ça. If somebody tells you I'm a Christian, don't listen to that. Demande-lui, il est devenu chrétien quand? Ask him, when did he become a Christian? Et par quel moyen? And by which means? Tu verras qu'il va se taire. You will see that he will stop speaking. Prêche la parole, prêche la parole. Preach the word, preach the word. En toute occasion. In any occasion. Favorable ou non. Favorable or not. Même si les gens ne veulent pas écouter, prêche seulement. Even if people don't want to give hearing, just preach. Pourquoi? Why? Lis. Read. Car il viendra un temps. Il y a un temps qui arrive et ce temps est déjà arrivé. There's a time that is ahead of us coming and it's even near. Quand tu lui parlais, when he was speaking to c'était him, au futur. That was in the future. Maintenant, now, c'est au présent. C'est au présent. Now it's in the present time. Oui. Où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Il y aura un temps. There will be a time. Ou alors nous sommes dans un temps. Or we are in a time. Où les gens ne supportent plus la vérité. In which people do not did not bear truth anymore. Quelqu'un vit dans l'adultère. Somebody is living in adultery. Si tu lui dis d'arrêter, if you tell him to stop, il fuit. He flees. Il dit que ton église n'est pas bien. He tells you that the church is not good. Et il cherche une autre église. And he seeks another church. Lis. Read. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils vont rejeter la vérité. They will reject the truth. Et ils vont chercher qui leur dit des choses agréables à entendre. And they will look for somebody or somebody who tells them things that are pleasant to hear. Ils fuient la personne qui leur dit la vérité. They flee the person who tells them the truth. Et ils s'en vont s'asseoir. And they go and sit des heures. So hours. Pour écouter quelqu'un qui les blague. To listen to somebody who keeps them. Dès que tu as dit que tu vas voyager, tu vas voyager. You tell them you travel. Je vois le passeport. I see the passport. Et tu dis oui. And he say yeah. Tu as fui la prédication là-bas. You fled the preaching there. Et tu t'adonnes aux flatteries. And you're giving yourself to flattering. Tu sais, je vois, tu es un grand homme de Dieu. You see, you know, I see, are you a great man of God? Une femme de Dieu. A woman of God. Vous savez, quand il y a des croisades comme celle-ci, you know, when there are crusades like this one, soyez vigilants. Be watchful. Le diable peut envoyer quelqu'un là, quand j'ai fini de prêcher lui aussi, il fait le travail du diable. The devil can send somebody when I finish preaching, he also preaches, I mean, does the work of the devil. Il peut commencer à prophétiser. He can start prophesying sur les gens. On people. Il te dit, je suis l'ami du pasteur Meunier. He can tell you, I'm a friend of Pastor Meunier. Toi aussi tu crois. And you also believe. Non. No. Veillez sur vous-même. Watch over yourself. L'apôtre Paul dit, Apostle Paul says, tous n'ont pas la foi. All do not have faith. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Nous avons une sœur à Tumodi. We have a sister in Tumodi. Elle est remplie du Saint-Esprit. She is filled with the Holy Spirit. Un faux prophète lui a rendu visite. A false prophet visited her. Il commence à prophétiser. And start prophesying. Il lui a dit, non, attends. She told arrête. Wait, stop. Je suis un enfant de Dieu. I'm a child of God. Elle a prêché l'évangile de Jésus. Preach the gospel of Jesus. Et à la fin, and at the end, le prophète dit, servante du Seigneur, prie pour moi. The servant of the Lord, pray for me. Servante du Seigneur, prie. Servant of the Lord, pray for me. Si tu vois un prophète ou une prophétesse ambulante ici, prêche l'évangile. If you see a prophet, a wandering prophet or prophetess here, preach him the gospel. S'il croit ou si elle croit, allez au jour de baptême. If she believes or he believes,
You go to the baptism. Also the baptême. Yeah, to the water of baptism water. Il y aura un temps. There will be a time. Où les hommes vont refuser l'évangile, la sainte doctrine. When people will refuse the sound doctrine. Et voulant entendre les choses agréables. And wanting to hear ils vont se donner, ils vont se donner une foule de docteurs. They will give themselves a crowd of doctor, teachers, selon leurs propres désirs, according to their own desires, a full de docteurs, a crowd of doctors, selon leurs propres désirs, according to their own desires. Tu peux prêcher à quelqu'un aujourd'hui. You can preach to somebody today. Il fuit. He flees. Parce qu'il vit dans le péché. Because he's living in sin. Et tu le trouves dans une dénomination. And you find him in a denomination. On l'a déjà consacré ancien. He's already consecrated elder. Ça ne doit pas t'étonner. This must not astonish you. C'est la prophétie qui s'accomplit. It is the accomplishments of the prophecy. Lis. Read. Ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Détourneront l'oreille de la vérité. Ils vont détourner l'oreille de la vérité. They will turn their ears away from the truth. Et se tourneront vers les fables. Et ils vont aimer les histoires, les fables. And they will love stories, fables. Les fables. Fables. Ils vont refuser la doctrine qui sauve. They will refuse the doctrine, the teaching that saves. Continue. Continue. Mais toi, sois sobre Mais en toi, toutes choses. Mais toi, sois sobre. But you be sober. Supporte les souffrances. Supporte les souffrances. You must endure suffering. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Do the work of an evangelist. Qu'est-ce que la Bible appelle la sainte doctrine? What does the Bible call the sound doctrine? Lis Luc 24, verset 45 à 47. Quel est l'évangile que tu dois embrasser? Que tu dois accepter si tu veux aller au ciel. If you want to go to heaven, what is the gospel that you should embrace? Luc chapitre 24. Écoute. Listen. Du verset 44 au verset 45. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplit tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Amen. Luke chapter 24, from verse 44. He said to them, this is what I told you while I was still with you. Everything must be fulfilled that is written about me in the law of Moses, the prophets, and the Psalms. Then he opened their minds so they could understand the scripture. He told them, this is what is written. The Messiah will suffer and rise from the dead on the third day, and repentance for the forgiveness of sins will be preached in his name to all nations, beginning at Jerusalem. Amen. Jésus a dit, Jesus said, et c'était écrit depuis avant sa naissance. And it was written ever since, before his que quand il va venir dans le monde, that when he comes in the world, il allait souffrir. He will suffer. On allait le tuer. They would kill him. Et qu'il allait ressusciter. And that he will rise from the dead. Et que en son nom, and that in his name, la repentance, repentance, et le pardon des péchés, and forgiveness of sins, devait être prêché. Were to be preached. C'est ça qui est la doctrine. This is the doctrine. Si tu veux être sauvé, if you want to be saved, crois au Seigneur Jésus. Believe in the Lord Jesus. Fais ta repentance. And repent yourself.
Et Dieu t'accordera le pardon des péchés. And God will grant you the forgiveness. Première chose, first thing, tu crois d'abord au Seigneur Jésus. You first believe in the Lord Jesus. Deuxième chose, second, tu te repens envers Dieu. You repent toward God. Tu te repens envers Dieu. You repent toward La God. Troisième chose, third thing, c'est un don. Is a gift. Dieu te donne le pardon des péchés. God grant you the forgiveness of sin. Tu crois au pardon des péchés. You believe in the forgiveness of sin. Tu crois que quand tu as dit à Dieu, pardonne-moi. You believe that when you tell God, forgive me. Il t'a pardonné. He has forgiven you. Et tu, qu'est-ce que la repentance? What is repentance then? Fondamentalement, il y a quatre étapes. Basically, there are four steps. Ça, c'est plus, mais on réduit. On peut réduire en quatre étapes. It's even more than that, but we can resume, we can summarize it in four steps. Si tu veux vraiment te repentir, if you really want to repent, si tu veux vraiment te repentir, if you really want to repent, la première chose, the first thing, c'est de reconnaître ce que tu fais. Is to acknowledge what you do. De reconnaître que ta vie que tu mènes n'est pas bien. To acknowledge that the life you are leading is not good. Lis Jérémie chapitre 2 verset 23. Read Jeremiah chapter 2 verse 23. Jérémie chapitre 2 le verset 23. Comment dirais-tu, je ne me suis point souillé, je ne suis point allé après les Baals. Regarde tes pas dans la vallée. Reconnais ce que tu as fait. Reconnais ce que tu as fait. Acknowledge that which you have done. Dromadaire. Ne continue pas de dire que toi tu es bien, je suis gentil, moi je n'aime pas les histoires. Toi tu n'aimes pas les histoires. Do not keep saying that I am good, I am kind, I don't like arguing. Dieu est étonné. God is astonished. De t'entendre te dire. Crie, te peintre comme quelqu'un qui est bien, qui est gentil, qui aime Dieu, qui aime les hommes. When he hears you depicting yourself as somebody who is good, that tout, loves men. Tous ceux qui pensent qu'ils sont bons. All those who think that they are good. Sont dans une erreur grave. Are in a very serious mistake. Un homme normal. A normal man. Qui veut le salut. Who desires salvation. Doit reconnaître qu'il est pécheur. Must acknowledge that he's a sinner. Il dit dans Jérémie. He says in Jeremiah. Comment dirais-tu, je ne me suis point souillé? Comment tu peux déclarer que tu es pur? How can you declare that you are pure? Il dit, reconnais ce que tu as fait. He says, acknowledge what you have done. Un. First. Deux. Second. Tu confesses. You confess. Et tu abandonnes. And you abandon. Tu confesses, you confess, et tu abandonnes. And you abandon. Lis Jérémie chapitre 8 verset 4 à 6. Read Jeremiah chapter 8, reading from verse 4 to 6. Jérémie chapitre 8 verset 4 au verset 6. Dis-leur, ainsi parle l'Éternel. Est-ce que l'on tombe sans se relever? Écoutez, Dieu te dit. God tells you. Est-ce que tu as déjà vu un homme? Have you ever seen a man qui est tombé, who has fallen down, qui ne s'est pas relevé, and who didn't get up? C'est-à-dire, il a plu, il glisse, il tombe, et il reste là flequé. That is, it rained and he slips and falls down and remains there flequé. Quand on lui demande qu'est-ce qui ne va pas, il dit je suis tombé. When we ask him what's wrong with you and he said that I have fallen. Qu'est-ce que Dieu veut dire? What does God want to tell you? Dieu peut dire. Dieu veut dire, God means, je peux comprendre que tu es tombé. I can understand the fact that you fell down. Mais je ne peux pas comprendre que tu restes couché. I cannot understand the fact that you remain lying down. Quand tu pratiques le péché, ça veut dire que tu es couché. When you are practicing sin, it means that you are lying down. Un homme, même quand nous étions petits, quand tu glisses, tu tombes, tu te lèves même avant que les gens ne viennent au secours, tu es déjà debout. A man, even when we were younger, when you slip and fall, you get up very quickly before even somebody comes to help you. Si tu vas au marché, if you go to the market, tu trouves quelqu'un qui est couché là depuis 10 ans, qu'il avait glissé. Yeah, you find somebody who is lying down there for hours and say that he has slept and fell down. Ça n'existe pas. It doesn't exist. Si tu vois quelqu'un qui glisse, il tombe, il ne se lève pas, il est mort.
If you see somebody that sleeps and falls and doesn't get up, that means that he's dead. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Dieu dit au prophète Jérémie, God tells prophet Jeremiah, va, tu te tiens devant eux. Go, stand before them. Tu leur poses une seule question. And ask them only one Est-ce question. Est-ce qu'on peut tomber is it possible sans se lever? That you fall down without getting up? Pourquoi tu veux que Dieu t'accepte dans cet état-là? Why do you want God to accept you in that state? Tu viens, j'ai commis l'adultère, Dieu pardonne-moi. Tu reviens, j'ai commis encore l'adultère, Dieu pardonne-moi. J'ai commis encore l'adultère, Dieu pardonne. Tu vas te lever quand? You come, oh Lord, forgive me, I've committed adultery. After you come again, I've committed adultery. When are you going to get up? Va. Go. Demande-leur. Ask them. Peut-on tomber sans se relever? Can we fall down without getting up? Dieu te dit, lève-toi. God tells you, get up. Lis. Read. Ou se détourne-t-on sans revenir? Si tu te détournes, if you turn si away, on te dit que ce n'est pas la direction, là où tu vas là, ce n'est pas là-bas, c'est derrière. Est-ce que tu vas continuer seulement comme un âne? If you take away going and they tell you this is not the direction, it's not that there, come back. Are you going to continue like a donkey? Un homme normal. A normal man. Dès qu'on lui dit, as soon as they tell him, c'est à gauche. That it is on the left. Il dit merci. He says thank you. Et puis il change. And he changes. Il arrive. And he gets there. Continue. Continue. Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à de perpétuels égarements? Dieu dit, il ne peut pas accepter que tu restes perpétuellement dans cet état. God says that he cannot accept that you remain perpetually in that state. Dieu ne veut pas accepter. God doesn't want to accept that. Même si tu le flattes. Even if you flatter him. Il ne va pas accepter. He will not accept that. Il n'accepte même pas les flatteries. He does not even accept flattery. La parole de Dieu dit. The word of God says. Dieu ne fait pas de favoritisme. God does not show any partiality. Chez lui, il n'y a pas d'acception de personne. For him, there's no. With him, there's no partiality. Si tu pratiques la justice. If you practice righteousness. Il te bénit. He blesses you. Pas de favoritisme. No partiality. Continue. Continue. Il persiste dans la tromperie, il refuse de se convertir. Quand tu te comportes comme tu fais là, when you behave yourself as you are doing, Dieu te qualifie comme quelqu'un qui n'est pas converti, qui refuse de se convertir. God qualifies you as somebody who refuses to be converted. Tu es tombé. You have fallen. Tu vis dans le péché. Même quand la relation d'adultère est rompue, tu cherches une autre relation d'adultère. Tu vas de péché en péché. You go from sin to sin. Even when the relation of adultery is broken, you seek another relation. Tu bois, tout ce qui tombe dans ta main, tu bois le kutuku avec. Whatever falls in your hand, you drink kutuku with it. Des perpétuels égarements. Perpetual a delusion. Tu refuses de te convertir. You refuse to be converted. Quand Dieu te note. When God marks you. Quand il t'attribue une note. When he gives you a mark. Et l'observation qu'il écrit, la remarque qu'il met, c'est que c'est quelqu'un qui refuse de se convertir. The observation that he writes is that it's somebody who refuses to be converted. Ton dossier qui est devant Dieu, c'est écrit dessus, refus de se convertir. Your file that is before God, it is written on it, refusal. Mais si tu reconnais ton péché, but if you acknowledge your sin, si tu le confesses, if you confess it, si tu l'abandonnes, if you abandon it, Dieu va mettre très bien. God will go, you write very good. Converti. Converted. Lavé. Washed. Purifié. Cleansed. Sanctifié. Sanctified. Lis. Read. Je suis attentif et j'écoute. Et ça, c'est une partie très importante. And this is a very capital part. Dieu dit, God says, quand les hommes s'approchent de lui, when people draw near him, pour confesser leur péché, to confess their sin, il est attentif. He's attentive. Il écoute. He listens. Il est attentif. He's attentive. Il écoute. He listens. Il écoute quoi? What does he listen to? Il ne parle pas comme il devrait. Dieu dit, God says,
Tu ne parles jamais never speak comme tu devrais parler. As you should. Il y a une formulation de phrase quand tu te repens. There is a formulation of sentences when you repent. Il y a une manière de parler quand on veut vraiment se repentir. There is a way of speaking when you really want to repent. Dieu dit, God says, je suis attentif, I am attentive et je vous écoute. And I'm listening to après, you. Après, il dit, and after he says, ils ne parlent pas comme ils devraient parler. They don't speak as they ought to. Après t'avoir écouté, after listening to dit, you, il n'a pas bien parlé. He said he didn't speak well. Pourquoi? Why? Écoutez bien. Listen carefully. Lis. Read. Aucun ne se repent de sa méchanceté et ne dit, qu'ai-je fait? Il dit qu'ils sont là. He said they are there. Personne ne s'est posé la question, no j'ai one, fait quoi? No one asked himself the question, what have I done? Ils veulent que je pardonne leurs péchés. They want me to forgive their sins. Mais personne ne s'est posé la question, quels sont mes péchés? But no one, none of them put himself the question, what are my sins? Dieu aime. God loves. Quand l'homme reconnaît ce qu'il a fait. When man acknowledges what he has done. Je tue, je I vole. Kill. Voilà. I steal. Il t'écoute pour voir si tu es vrai. He listens to you to see if you are true. J'ai avorté, j'ai trompé. I have aborted. Je vole. I have deceived. I steal. J'ai volé le diplôme. I've stolen a certificate. J'ai volé l'âge. I've stolen the age. Je suis mauvais. I am bad. Je me prostitue. I prostitute myself. Il t'écoute bien. He listens to you carefully. Si tu confesses comme ça, if you confess this way, tu es déjà sur le chemin. Il manque une chose. You are already on the way, and there's one thing like qu'est-ce qui reste? Missing. Tous reprennent leur course comme un cheval qui se lance au combat. Dieu dit, God says, après avoir confessé, after confessing, ne fais pas comme le cheval. Do not do like the horse. Le cheval, the horse, prend la course. Start running pour aller combattre. To fight, to go to fight. Et après avoir dit Seigneur pardonne-moi, j'ai volé, j'ai menti, j'ai tué. Dès que tu finis, amen. Tu commences une course pour aller recommettre les mêmes péchés. And God says that after confessing and saying, oh Lord, forgive me, I've done this, I've done that, you start running to go and continue. Dieu dit, les voilà, les voilà. Vois comment ils courent, ils courent, ils partent commettre les mêmes choses. See how he's running. He's going to do the same thing. Il va dans le même maquis. Le voilà, le voilà. He's going the same path. There he is. S'il te plaît, donne la vie à Jésus. Please give your life to Jesus. Tu reconnais tes péchés. You acknowledge your sin. Tu les confesses. You confess them. Tu les abandonnes. And you abandon them. Tu ne cours plus comme un cheval pour aller boire la bière. You don't run again like a horse to go and drink beer. Et les cigarettes dans tes poches partout. And a cigarette in your pocket everywhere. Que le Seigneur te bénisse. May the Lord bless you. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Is there somebody qui veut entrer dans cette alliance avec Jésus? Who wants to get into that covenant with Jesus? Si tu veux donner ta vie à Jésus authentiquement, selon la lumière de la parole, de la sainte doctrine, lève ta main. If you want to give your life to Jesus genuinely, according to the light of the word, according to the sound doctrine, raise your hand. Oui, levez les mains, levez les mains. Yes, raise your hand, raise your hand. Bon, venez, venez ici, venez then prier. Come here. Venez rapidement. Come, speedily. Venez, 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 venez. Come. Oui. Venez, venez. Come. Acclamez très fort. Clap loudly. Venez, venez, venez. Come. Venez, venez, venez. Come. Venez, venez. Come. Quand le Seigneur va trier les bons poissons. When the Lord will be selecting the good fish. Tu seras un bon poisson. You will be a good fish. On ne va pas te jeter. You will not be cast away. On ne va pas te jeter. You will not be thrown away. Viens, come, viens, come, viens, come.
J'ai recevoir le pardon de tes péchés. Come to receive the forgiveness of your sins. J'ai recevoir le pardon de tes péchés. Come to receive the forgiveness of your sins. Viens. Come recevoir to receive le pardon de tes péchés. The forgiveness of your sins. Viens recevoir come le pardon de tes péchés. The forgiveness of your sins. Viens. Come recevoir to receive le pardon de tes the péchés. The forgiveness of your sins. Viens. Come. Jésus de Nazareth appelle à lui. Jesus of Nazareth is calling you to him. Il a dit, he said, la repentance sera prêchée. Repentance will be preached. Le pardon des péchés sera prêché. The forgiveness of sin will be preached. Viens confesser tes péchés. Come and confess your sins. Pour obtenir le pardon des péchés. In order to obtain the forgiveness of your sins. Lève-toi et viens, lève-toi et viens. Stand up and come, stand up and come. Si tu dois venir, ne perds pas le temps. If you have to come, don't waste time. Oui, acclamation. Yes, clap offering. Est-ce que vous êtes sûr que tous ceux qui ont levé les mains, est-ce qu'ils ont déjà donné leur vie à Jésus? All those who raised their hand, have they already given a life to Jesus? Allez directement là-bas. Go there. Oui, oui, il faut l'encadrer. Va, va avec lui. On va prier pour toi. Va, va là-bas. Oui, ça c'est bien. Quand, si tu amènes un dépressif, il faut veiller sur lui. If you bring somebody here who is depressive, you must watch over him. C'est ce qu'il est en train de faire là, ça c'est bien. This is what he's doing. This is good. Lève-toi et viens. Stand up and come. Acclamons Jésus-Christ. Let's clap for Jesus. Lève-toi et viens, lève-toi et viens. Stand up and come, stand up and come. Vous savez, you know, que personne ne te trompe. Let no one deceive you. Peut-être tu es venu prier seulement. Maybe you just came to pray. On ne t'a pas dit de venir prier seulement. You were not told to come and tu pray. Tu dois donner la vie à Jésus. You must give your life to Jesus. Pour que tes prières soient exaucées. For your prayers to be answered. Si tu refuses Jésus, if you refuse Jesus, tu peux rentrer déjà. Tu peux déjà rentrer. You can already go back. Ta part est finie. Your portion is over. On croit. We believe. On reçoit Jésus. Receive Jesus. Et lis Osée 13, verset 9. Read Osée 13, verse 9. Ce qui cause ta ruine, Israël, c'est que tu as été contre moi, contre celui qui pouvait te secourir. Vous savez, you know, tout le monde a des problèmes. Everybody has problems. Tout le monde veut que Dieu l'aide. Everybody wants God to help him. Mais la chose qui va te détruire, but the thing that will destroy you, c'est que tu n'aimes pas Jésus. Is that you don't love Jesus. Ce qui cause ta ruine, ce qui va te ruiner, that which will destroy you, c'est le fait que Jésus soit venu dans ta vie. It's the fact that Jesus came in your life. Et tu as fermé la porte. And you closed the door. Et le Sauveur n'est pas entré chez toi. And the Savior didn't enter. C'est ça qui va te tuer. Ce n'est même pas ta maladie. This is what is going to kill you. Parce que c'est Jésus qui guérit. Because it is Jesus that heals. Jésus peut enlever la malédiction. Jesus can remove the curse. Il peut chasser les démons. He can cast away the demons. Mais si tu péris demain. But if you perish tomorrow, ça sera parce que tu as refusé Jésus. It will be because you have refused Jesus. Lève-toi donc et viens. Rise up therefore and come. Si tu péris demain, if you perish tomorrow, ça sera parce que tu as fermé ta porte à Jésus. It will be because you have closed your door to Jesus. Ça ne sera pas parce que tu étais malade. It will not be because you were sick. Ce qui cause ta ruine, you are destroyed. Ce qui cause ta ruine, you are destroyed. C'est que tu es contre celui qui peut te secourir. Because you are against the one who could rescue you. Ce qui cause ta ruine, you are destroyed.
C'est que tu es contre celui qui peut te secourir. Because you are against the one who can help you. Lève-toi et viens. Stand up and come. Lève-toi et viens. Stand up and come. Lève-toi et viens. Stand up and come. Nous allons prier. We are going to pray. Si tu dois venir, viens, viens en courant même. If you are to come, run and come. Levez les mains. Raise your hands. Levez les mains. Laissez-les prier d'abord. Let them pray first. Du Seigneur Jésus. The Lord Jesus. Tout le monde n'a pas prié. Everybody didn't pray. Du Seigneur Jésus. The Lord Jesus. Je ne veux pas aller à l'enfer. I don't want to go to hell. Je ne veux pas être un poisson qu'on va jeter à la fin du monde. I don't want to be a fish like a fish that will be cast thrown away at the end of the world. Je veux que quand on va trier les bons poissons, I want that when the good fish will be selected, que je sois parmi les bons poissons. That I could be among them. Je te supplie donc de me pardonner tous mes péchés. I beg you to forgive all my sins. En parole, les péchés en parole. In words. En action. In deeds. En pensée. And in thoughts. Je ne suis pas propre, Seigneur. I'm not clean, Father. Lave-moi, lave-moi, lave-moi. Wash lave-moi, me, wash lave-moi, me. Lave-moi, wash lave-moi, me. Lave-moi, wash lave-moi, me, lave-moi, me, lave-moi. Wash me. Par ton sang précieux. By par your ton precious sang blood. Précieux. With your par precious ton blood. Sang précieux. With your precious par blood. Ton sang précieux. With your precious blood. Par ton sang précieux. With your precious blood. Pose les mains sur ta tête. Lay your hands upon your knees. Oh Seigneur. Oh Lord. Beaucoup de blocages. A lot of blockages. Beaucoup de maladies. A lot of diseases. Et beaucoup de blocages. A lot of blockages. Beaucoup de maladies. A lot of sicknesses. Et beaucoup de blocages. A lot of oh blockages. Jésus. Oh Jesus. Guéris-moi. Heal me. Guéris-moi. Heal me. Guéris-moi. Heal me. J'accepte. I accept. Qu'on me sépare. To be separated. De toute la sorcellerie. From all the witchcraft. De la famille. Of my family. La famille de mon père. The family of la my father. De ma mère. The family of my j'accepte. Mother. Qu'on me sépare. I accept to be separated. Des malédictions qui from, sont from the curses de la famille. Of my family. Du côté de mon père. On my father's side. Du côté de ma mère. My mother's side. Et même des belles familles. And my in-laws. Merci Seigneur. Thank you Lord. Merci Seigneur. Thank you Lord. Merci Seigneur. Thank you, Lord. Amen. Amen.